Mon message donc de soutien à Ali Diarasba, un journaliste d'intégrité et de professionnalisme. Dans le paysage médiatique ivoirien, le journaliste éthique et transparent est une rareté hein, précieuse. Ali Diarasba, à travers son émission NCI 360, surtout de ce dimanche passé, a démontré une fois de plus son engagement envers ses valeurs essentielles. En orchestrant un débat de société hein, neutre et équilibré, hein, il a prouvé qu'il est possible de maintenir une éthique professionnelle rigoureuse, même dans des contextes de polarisation politique intense. Lors de son émission récente, Ali Diarasba a fait preuve d'un professionnalisme exemplaire, bien que cela n'ait pas été le cas lors de l'émission avec Wali Dodo, un interlocuteur reconnu pour ses propos haineux et revanchards. Ali Diarasba a su donc cette fois-ci démontrer sa capacité d'amener des discussions justes et transparentes. En restant impartial et en garantissant donc une discussion équilibrée, il a renforcé la crédibilité de sa plateforme et a montré hein, ce qui signifie véritablement être un journaliste dévoué au service du public. Peu importe donc la position ou les affiliations politiques, l'engagement envers la vérité et l'intégrité doit primer. Les régimes passent, mais les journalistes intègres comme Ali Diarasba restent donc les gardiens de l'information hein, et les piliers de la démocratie. Son travail contribue hein, non seulement à informer, mais aussi à éduquer et à unir les Ivoiriens autour de discussions constructives et honnêtes. Merci Ali Diarasba, son équipe et ses invités hein, pour votre dévouement et votre professionnalisme. Continuez donc à mener donc les débats justes et transparents car votre travail est crucial dans le bien-être donc de notre société. Votre crédibilité et votre éthique sont donc une source d'inspiration hein, pour tous les Ivoiriens. Avec tout mon soutien et mon encouragement. Encore aussi une fois, merci au journaliste André Sylvain Conan, qui, malgré des conditions parfois assez difficiles, réussit toujours à tirer son épingle du jeu et à faire de son métier un véritable régal pour la jeune génération. Merci beaucoup, hein, et au revoir.